Gimana kan? Des maisons en ruine, des véhicules retournés et des rues boueuses envahies de débris. L'île de Java, en Indonésie, a été frappée mercredi par des inondations et des glissements de terrain dus à des pluies torrentielles. Au moins 26 personnes sont mortes et 19 autres portées disparues, selon un nouveau bilan publié jeudi par les autorités locales. Alors que l'aide commence à arriver à Garut, région de l'ouest de Java la plus touchée par cette catastrophe, le gouvernement promet une aide de 142 millions de dollars pour les familles de victimes. J'espère vraiment que le gouvernement nous aidera parce que je n'ai plus de maison, je n'ai plus rien. L'Agence nationale de gestion des catastrophes recommande aux habitants d'être vigilants pendant cette saison sèche. Ces événements ne sont pas rares dans l'archipel d'Asie du Sud-Est, au climat tropical propice aux pluies torrentielles et aux catastrophes naturelles.